Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est simple. On va voir 25 montres de marque française à moins de 300 euros. Pour être le plus transparent possible, au début, on devait faire une sélection à moins de 500 euros, mais j'avais énormément de montres que j'avais envie de vous présenter. Alors, on va faire ça en deux parties. Aujourd'hui, on est sur un top 25 montres à 300 euros en marque française. Et ce vendredi, on sort la vidéo entre 300 et 500 euros. Il y aura encore une sélection de 25 montres. En fait, il y a énormément de montres à mettre en avant. On va prendre des grosses marques que tout le monde connaît, mais on essaie de prendre aussi des petites marques horlogères qui sont en pleine expansion et surtout qui font de la qualité. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à péter le like, à partager, surtout t'abonner, ça donne toujours de la force à la chaîne. Comme dans toutes les vidéos, à chaque fois que je parle de montres, tout sera en description. Vous aurez toutes les montres en description si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de vous faire plaisir. Et c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Alors pour commencer, on a une montre qui est en ce moment à 157 euros sur Okara, mais qui est à 185 euros en temps normal. Maison du temps, je vous mettrai aussi le lien du site directement de la montre. C'est pour faire le partage d'écran, c'est un peu mieux, je trouve. Okara, je calibre mieux l'écran. Voilà, Maison du temps, c'est une marque qui est en pleine expansion, qui fait de la qualité. J'ai moi-même des pièces qui m'ont été offertes par cette marque-là. Je le dis vraiment en toute impartialité, si c'était nul à chier, je n'hésiterais pas à vous le dire une seule seconde, mais les pièces sont sympas. Le rapport qualité-prix est incroyable, et surtout ça m'a fait changer un peu d'avis sur les grosses pièces. Je portais jamais de grosses pièces avant. On m'a offert, j'ai porté pour tester. Et honnêtement, on est sur du 42 mm à chaque fois. Voilà, ça va bien au poignet. On la sent pas forcément. En fin de journée, vous avez un gros 42. Donc si vous allez le sentir, c'est pas comme un petit 36 ultra fin. Mais durant toute la journée, en tout cas, je ressens aucune gêne avec la montre. Là-dessus, on va être sur l'organe MT Gamma. Donc vous l'avez en plusieurs coloris. Donc on est sur une super pièce à 185 euros. Vous l'avez donc en kaki, je trouve que la trotteuse rouge sur le kaki rend superbement bien. Sur le fil de la marque, vous pouvez à chaque fois mettre un bracelet en silicone. Moi, j'ai le cadran blanc et le cadran noir qui rend superbement bien. Et vous avez le fameux cadran bleu turquoise si vous avez envie de vous faire kiffer. Cadran bleu turquoise avec la trotteuse rouge, je trouve encore une fois que ça rend superbement bien. Et vous êtes à 185 euros sur une montre vraiment de qualité et on porte du français. Deuxième pièce, on passe chez Bridgestone. Alors là, on va être totalement dans un style différent. On est sur du tissu pour le bracelet et on est en digital. Donc on va être dans le délire chrono, alarme, digital. Si c'est ton style, fonce. Je sais qu'à titre perso, je suis pas fan, mais à 150 euros, vous avez du français. Et je sais qu'il y a énormément de gens, surtout beaucoup de jeunes qui veulent porter du digital. Si c'est un style que tu aimes, tu peux vraiment aller dessus. Parce que voilà, à 150 euros, tu es sûr d'avoir une montre de qualité. Maintenant, on part chez Awake. Alors en ce moment, il la sort à 90 euros. On est à 180 euros de base. On est sur une marque française faite en matière recyclée. Donc je crois que c'est des filets de pêche, donc c'est assez sympa d'importer du français. Deuxièmement, vous portez quelque chose avec, vous portez du recyclé. Je trouve que pour la planète, si on peut avoir du style avec une pièce pas trop chère et en plus qui va pas forcément dégrader la nature sur la consommation, ce genre de choses, je trouve que vraiment le concept est assez sympa. D'ailleurs, si un jour les mecs d'Awake passent par ici, j'aimerais énormément qu'ils passent sur la chaîne, nous expliquer le concept, l'histoire de la marque, ça serait vraiment incroyable, même si quand on fouille, on a énormément d'informations, mais je trouve que, en tout cas, le positionnement est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et là, pour le coup, c'est la réduction qui, en ce moment, on est sur une pièce qui va être en dessous les 100 euros, de base, on est à 180. Une foule bleue, vous êtes sur du tissu, le cadran est vraiment assez sympa, avec justement, ça fait bien ambiance mer en fond de cadran, donc si tu kiffes. Si c'est ton style et si t'es dans le délire, fonce les yeux fermés parce que la pièce est vraiment bien. Première lip de cette vidéo, on est sur une Churchill. Alors là, on est à 190 euros. Bracelet marron clair sur vraiment une petite pièce ultra, ultra sobre. Encore une fois, vous avez ce cadran qui va être assez sympa. Vous avez une petite trotteuse, le 12, 3, 6, 9, qui vont être un peu en gras, qui vont ressortir sur le cadran. Honnêtement, sur une pièce comme ça, on est dans de la simplicité. C'est quelque chose qui va être fin, qui va être petit. Donc, on ne demande pas à ce que dans le cadran, il y ait plein de fioritures. Non, on est vraiment sur quelque chose de sobre, classe et d'élégant. On reste chez Lip avec une pièce que je trouve un petit peu plus sympa, avec ce bracelet en cuir noir. Alors je sais que j'ai aucune pièce qui ressemble à ça dans ma collection, je sais pas si je pourrais porter ça, parce que pour moi il faut vraiment la tenue qui va avec, c'est vraiment la petite montre de papa, petite chemise, c'est vraiment une montre de mec ultra classe, sobre et élégant. Vous avez ça quand vous avez un bon poste. Un bon banquier, tu vois, bon banquier, il te reçoit rendez-vous, il a une petite clip comme ça, je trouve que ça rend super bien.
Alors pour tous ceux à chaque fois qui viennent commenter des trucs à la con, quand je fais ce genre de choses, c'est vraiment de l'humour, parce que j'aime bien déconner, mais tout le monde peut porter genre ce genre de pièce, bien évidemment. Mais voilà, j'aime bien toujours imaginer qui porterait cette pièce, je trouve ça assez sympa, et là, vraiment, la pièce, elle fait vraiment, vraiment classe. On continue chez Yip, là, c'est clairement un parti pris. Vous avez la petite trotteuse qui est en rouge et bracelet en cuir rouge. Ouais, c'est un bon rouge bordeaux, faut aimer le style, c'est vraiment pétant. Je sais qu'il y en a énormément, c'est comme pour les lunettes qui aiment porter des choses bien bien flashy. Là, honnêtement, si c'est ta cam, vas-y les yeux fermés parce qu'on est à 190€, le rapport qualité-prix est vraiment correct. On continue sur une Bridgestone à 190€. On est toujours sur du digital qui va faire alarme, réveil, tout ce que vous voulez. Alors, je suis vraiment pas dans cet univers-là. Pour le coup, je trouve que c'est assez cher, sachant que chez Casio, on est à 50€, mais on va pas du tout être sur, entre guillemets, le même positionnement. Le but vraiment à chaque fois de faire des sélections de monde, c'est vraiment de pouvoir faire un large panel. On monte 25 pièces qui peuvent plaire à énormément de personnes. Je ne vais pas uniquement vous montrer ce que moi je kiffe, mais le but c'est aussi de vous faire découvrir, et moi-même en travaillant sur ce genre de vidéo, c'est de découvrir des pièces qui peuvent être potentiellement sympas. Donc là pour le coup, vous êtes à 190€ sur une Bridgestone. Le cadran est vraiment assez sympa avec l'espèce de les quatre boutons qui ressortent, même si je ne porterai pas du tout ce genre de pièce. Si toi tu portes cette pièce, n'hésite pas à nous faire un retour, ça peut toujours être sympa, parce que pour le coup, n'en ayant jamais porté, j'ai pas forcément plus d'informations que ça à vous donner. Et justement, je pense que l'espace commentaire est aussi fait pour ça, pour voilà, partager votre ressenti. On arrive sur une marque que j'affectionne particulièrement bien, Charlie Paris. Là, on est sur de la qualité, de l'assemblage français. La pièce est sobre. On est sur du quartz, bien évidemment, petite seconde avec l'aiguille bleue. On a le blason de Charlie Paris derrière. Ce que j'aime énormément, c'est qu'on est sur du saphir et surtout du 39mm. Donc, pour les petits poignets, c'est vraiment une montre qui peut plaire à tout le monde, de l'acier 316L. Donc, c'est vraiment un produit de qualité en marque française. Ils ont une boutique à Paris à moins de 200€. Alors là, vraiment, pour vous faire plaisir, pour le coup, et c'est pas du tout un placement de produit, hein, loin de là, mais le travail est superbement bien fait, et là on est sûr vraiment à 1 milliard de % de la qualité. C'est d'ailleurs une marque qui est très présente, tout ce qui va être sur TikTok, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à les suivre parce qu'ils donnent énormément, voilà, d'informations sur leur marque. Et là pour le coup, on est sur un cadran blanc bracelet en cuir marron, mais vous avez énormément de variantes. Vous avez le même avec un bracelet en cuir bleu, cuir noir, cuir un petit peu plus marron, et ces espèces de mailles en acier. On va aussi avoir tout ce qui va être cadran bleu nuit, on a aussi cadran vert, et on a une full black qui peut être vraiment sympa, un cuir noir. Acier 316L, on est sur du noir, et les aiguilles sont noires, tout est noir. Donc honnêtement, la montre, elle rend superbement bien, c'est vraiment une montre d'espion là pour le coup. Donc alors, je vois qu'elle est en rupture, je sais pas, j'ai pas d'informations. Est-ce que vous aurez dans le futur une montre qui va être de nouveau approvisionner, donc affaire à suivre. Mais là on est sur vraiment une pièce d'un très bon rapport qualité-prix, et surtout qu'on va pas voir au poignet tout le monde, donc c'est toujours assez cool de se démarquer là-dessus. On part chez Lip maintenant avec une Himalaya. On est sur du 40mm sur un bracelet en cuir marron, fond de boîte en bleu, acier 316L, acier inoxydable qui rend vraiment bien, qui est bien bien pétant. 40mm, on est vraiment dans la taille où ça peut vraiment convenir à tout le monde. Là pour le coup, pas fan de la pièce, de voir, on va avoir plein d'Himalaya. C'est vraiment une belle gamme de chez Lip qui est reconnue, qui est fiable, donc c'est pour ça, foncer les yeux fermés. Je pense que moi, ce qui va pas forcément me plaire, ça va être ce mélange de marron et de bleu, même si la pièce elle reste vraiment correcte. Attention, c'est vraiment à chaque fois un avis vraiment très personnel. On est à moins de 200€, c'est une pièce de qualité, c'est vraiment uniquement mon goût qui parle. Encore une fois chez Lip, et là pour le coup on va être sur une pièce qui va un peu plus me plaire dans son design. Cadran, il est vraiment simple, on est encore sur du 40mm, on a affichage date, bracelet en espèce de gris chromé, toujours avec cet acier inoxydable qui est bien bien brillant. Cette pièce, elle me plaît vraiment un petit peu plus. On est sur 5 ATM, donc on est sur une pièce qui est vraiment assez correcte. Encore une fois, on est à 200€, 199€. C'est une montre qui est très sobre, chic, élégante. Tout le monde connaît, voilà, le rapport qualité-prix chez Lip. Vous pouvez vraiment y aller à fond sur une pièce comme ça. On est encore chez Lip, ici à 199€, avec une CDG 35mm. J'adore les petits cadrans, donc là, totalement dingue. Il y a un peu de fun dans les aiguilles, ça j'adore.
le mélange marron et pour le coup bronze, enfin or, on n'est pas sûr de bronze, on est sûr de l'or pour le coup, enfin couleur gold. J'adore énormément le rendu de cette pièce, vous avez un affichage date. Donc la montre elle est vraiment complète et on est sur, je trouve, un mélange de couleurs, de textures qui rend superbement bien avec voilà, ce petit côté fun derrière sur les aiguilles et ça j'aime énormément, la montre est superbement bien finie. Petit cadran, donc que demande le peuple, foncez les yeux fermés sur une pièce comme ça, si c'est votre style. On continue chez Lee, à 199€, je vous l'ai dit, on va avoir énormément d'Himalaya, donc c'est pour ça que j'essaye de les passer rapidement pour pas que ça soit redondant, mais surtout pour voir un peu les styles différents. Vous avez là un magnifique cadran gris, ce que j'aime énormément, c'est la pointe rouge au bout de la trotteuse, un bracelet en cuir classique, on est sur du 40mm, vous avez encore la date. C'est une montre qui est ultra bien finie, à 200€, dans un style assez différent. Le but, encore une fois, c'est de voir le maximum de styles assez rapidement pour que tout le monde puisse y retrouver son. On est encore sur une Himalaya, et là j'adore, la pièce est totalement fun. On est sur après-vente, votre horloger vous prête l'heure. On est, je pense, sur une montre de prêt. Je connais pas du tout l'histoire, mais j'imagine on est sur une montre de prêt qui a été prêtée et ils l'ont sorti derrière en gamme. J'adore cette pièce. Si quelqu'un à la symbolique, l'histoire de cette pièce, que je pense au vu du cadran que la montre a une histoire, je trouve ça incroyable. On va être sur du 35mm, donc c'est du petit cadran, j'adore, bracelet en cuir noir sur ce couleur doré, c'est un mélange qui se vend superbement bien et là on a vraiment un cadran qui est fun et j'adore les cadrans fun, donc là-dessus vous pouvez encore une fois foncer les yeux fermés. On retourne chez Bridgestone et là on n'est plus du tout sur de l'électronique, vous allez voir on va avoir pas mal de Bridgestone là-dessus dans ce style là, il y a énormément de Bridgestone, j'ai essayé de prendre à chaque fois des styles assez différents pour pas être redondant. Là j'adore ce cadran que je trouve super bon, bien fini avec un natto kaki derrière, c'est incroyable. Vous avez toujours ce cadran en écaille qui est la marque de fabrique de Bridgestone en 40/40, le cadran ultra bien fini si c'est ton style. Ou si toi-même tu en portes, n'hésite pas à nous faire un tour, j'ai jamais porté ce type de montre. Je serais vraiment curieux de savoir au porté, au toucher, ce que ça peut rendre. En tout cas, j'adore comment le cadran est fini. Donc voilà, fonce là-dessus. En plus, on est toujours sur une marque française. Donc c'est toujours assez cool. Et c'est d'ailleurs le but de les vidéos, de voir que des pièces françaises. Parce qu'on a quand même énormément de maisons horlogères qui font de la qualité. Et je trouve ça incroyable. On va être là pour le coup encore chez Bridgestone, 40/40. Dans le même délire, là, on est sur une montre turquoise avec un fond de boîte turquoise. J'ai longuement hésité à savoir si j'aimais pas, parce qu'on est sur un mélange de couleurs qu'on voit pas souvent. Toujours ce côté écaille, bois, marron clair sur la lunette, et derrière ce côté bleu, on a tendance à penser que ça va pas ensemble. Et au final, je trouve que plus on la regarde, plus on s'habitue, plus on trouve sympa. Donc, plus sur cette pièce-là, hésite pas à me donner toi ton ressenti, savoir si vraiment tu la trouves dégueulasse, ou si au contraire, tu trouves que la pièce elle rend vraiment bien, c'est atypique, c'est recherché et t'aimes bien. Toujours chez Bridgestone, les amis, on est à 200€, donc d'ailleurs dans cette gamme-là, on est comme on va du moins cher au plus cher, on fait les pièces qui ont une sensibilité à chaque fois la suite. Là, je trouve que cette montre est superbement bien finie. On va être sur un espèce de velours, cuir velours pour le bracelet, le cadran superbement. En fait, j'aime bien quand c'est simple, élégant là. On est sur quelque chose qui ne fait pas de fioritures, il n'y a pas de dinguerie dans le cadran, mais ça fait le travail toujours chez un style de chez Bridgestone. Là, on est vraiment sur quelque chose d'épuré et d'élégant sans aucun problème. Je sais qu'à titre perso, je ne porterais vraiment pas ce genre de pièce parce que c'est pas ce que j'aime. Et là, c'est vraiment encore une fois mes goûts qui parlent. Mais voilà, si ton délire fonce parce qu'on est sur une pièce qui a vraiment un bon rapport qualité-prix et c'est un style qu'on va pas voir. On retourne chez Lippe maintenant à 239€ sur une full acier en 40mm. Alors là, pour le coup, vous avez un affichage date et heure sur du saphir. Vous êtes sur une montre qui est ultra sobre. C'est vraiment voilà, ce qu'on demande dans cette gamme de prix-là, 240€. Toujours cette petite pointe de rouge au bout de la trotteuse qui rajoute une touche de couleur sur tout cet ensemble chromé. Donc voilà, c'est des pièces qui me plaisent énormément. C'est des pièces surtout que vous pouvez mettre dans n'importe quelle circonstance, sport, travail, détente, vous balader, que ce soit polo ou costard, ou même vraiment un t-shirt simple, uni. Je trouve que c'est vraiment des pièces passe-partout. Et si on recherche vraiment une pièce pour faire de tous les jours et avoir une seule pièce, on va être sur vraiment quelque chose de multitâche. Et j'aime énormément ce genre de pièces. On retourne chez Awek. Alors de base, on est à 149€. Là, on est à 124€, 39mm. On va être sur un style vraiment assez différent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc si non, t'as pas au début de la vidéo, on est sur une marque avec des matériaux recyclés, full black. J'arrive pas forcément à savoir ce que c'est dans le fond du cadran. Je sais pas si c'est au moment de prendre la photo, si vraiment il y a une espèce de dégradé au centre du cadran qui peut rendre pour le coup assez bien. On est sur une pièce
qui a l'air d'être légère, qui est sur du petit cadran. Donc si c'est ton style et si encore une fois t'as envie de soutenir entre guillemets la cause écologique quand voilà, tu veux suivre entre guillemets avoir des substances, enfin de la bijouterie sur toi, je pense que tu trouveras vraiment ton bonheur chez Awake. Alors là on retourne chez Lip à 249 €. Faut aimer le mélange de texture, je l'ai mis ici parce qu'on est sur un chronographe, donc ça va être le premier de cette sélection. Vous avez un affichage jour en bas, donc vous avez ce cadran bleu là, on est vraiment sur ça fait rallye comme son nom l'indique. Vous avez un bracelet troué en cuir, là on est vraiment dans l'ambiance rallye, le chronographe ambiance rallye. Je suis vraiment pas fan du mélange voilà bleu et marron encore une fois, mais si c'est ton style, encore une fois il en faut pour tout le monde. C'est ton style possible parce que 250 €, on va être encore une fois sur un bon rapport qualité-prix. On retourne chez Charlie Paris sur un chronographe qui va être beaucoup plus simple. Pour le coup, on va pas être sur un bracelet troué, mais on est sur la gamme chronographe Horizon de chez Charlie Paris. Magnifique aiguille bleue. Vous avez ce cadran qui est simple, basique, c'est tout ce qu'on demande. Bracelet en cuir marron, et encore une fois, vous avez des baillons, vous avez la maille, vous avez le bracelet bleu, bracelet vert, bracelet en cuir noir, bracelet un peu plus foncé en marron et bracelet gris qui rend superbement bien. Et sur les cadrans, vous avez encore une fois le vert, bleu, nuit et full black. Donc, si tu as envie de porter du français, que tu as envie d'aller l'acheter en physique, on a cette boutique qui est à Paris. Si tu es fan des chronographes, hein, si c'est ton délire, vas-y les yeux fermés, on a 275 €. Encore une fois, le rapport qualité-prix est présent pour une marque française. Donc ça aussi, c'est assez cool le twin. On va chez Lip maintenant avec une Lip qui est assez connue, c'est la Courage. Un ato bleu, blanc, rouge, des aiguilles bleu et rouge pour le coup sur la trotteuse, affichage date. Si vous êtes patriote et que vous avez envie d'avoir quelque chose d'assez fun dans votre collection, on est à 280 €. Vous pouvez vraiment aller sur cette montre. On va être aussi sur un chronographe. On est sur du 40 mm. Encore une fois, c'est une taille qui va pouvoir convenir à tout le monde. Donc ça, c'est assez cool, même si voilà, dès qu'on arrive 40-42, on se rapproche du gros poignet. Mais 40 mm pour moi-même avoir du poignet. Pour moi-même avoir un petit poignet, c'est vraiment une montre que vous pouvez porter en toutes circonstances sans aucun problème. On va être sur une montre qu'un ami m'a fait découvrir. On est chez Carzo et Liotier. Donc ils ont une montre à 280 €, fabrication dans le sud de la France. Je trouve que cette montre, c'est mon délire, honnêtement. C'est mon délire, donc c'est aussi pour ça que j'aime énormément. J'adore ce style de cadran, vous n'avez rien dedans. Vous avez un très bel affichage date, des aiguilles qui sont incroyables. Moi, le mélange de façon noir, or bronzé, comme ça, je suis vraiment fan. Un beau bracelet. Vous êtes sur une forme de cadran qu'on ne voit pas énormément, ça fait très brut. Et j'aime beaucoup. Alors, on est sur du 42 mm 5. À l'intérieur, on est sur du quartz Ronda 517, vert en plexi, couronne vissée, 316 L. J'aurais aimé, s'il y a un petit bémol là-dedans, pouvoir avoir un cadran qui est plus petit. Quand on a des cadrans qui sont simples comme ça, vous mettez du 38, c'est une montre que tout le monde va pouvoir porter. Alors peut-être que c'est aussi pour une question de mécanisme à l'intérieur, mais vraiment j'aurais aimé que cette pièce soit plus petite. J'aurais pu me l'acheter parce que j'aime énormément ce style. Et vous l'avez du coup en style avec des bracelets assez différents. Donc en fonction de ce que vous aimez, vous pouvez trouver votre bonheur. Et surtout on est sur une pièce qui va être, il rend superbement bien avec le nato. Vous êtes sur une pièce qu'on va croiser très rarement, sur une petite marque qui est atypique. Je sais que j'aime énormément ce genre de choses, donc si tu as envie de te faire plaisir en ayant une pièce que personne a, sur le fait que c'est des choses qui vont être moins connues, si tu aimes, donc là-dessus tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. On retourne chez Maison du Temps à 285 € en réduction en ce moment. Donc vous avez vu, à chaque fois on a deux styles de bracelets différents. On va être sur une montre squelette à 41 mm, sur quelque chose qui va être rond en termes de forme. Je sais que tout à l'heure, on était sur quelque chose d'octogonal. Donc ils font aussi de la forme ronde. Chez Maison du Temps, je trouve que le rapport qualité-prix est incroyable. Vous avez du coup de l'automatique à 285 €. Montre de qualité, du saphir. C'est pas, si par exemple on était chez Seiko, genre de choses, on serait peut-être un petit peu plus cher. Je trouve que c'est toujours agréable d'avoir une marque française qui s'efforce de faire de la bonne qualité tout en ne faisant pas exploser les prix. Donc ça, c'est vraiment assez cool, il faut le souligner. Et encore une fois, je vous assure que je suis sûr de la qualité. Il y a énormément de gens qui peuvent douter des petites marques comme ça, mais là on est sur vraiment quelque chose de qualité avec vraiment un bon rapport qualité prix. On reste chez Maison du Temps, encore une fois on est sur la MT Beta Skeleton. Vous avez toujours ces plusieurs types de bracelets, mais on retourne sur la forme un peu hexagonale, octogonale, je ne sais pas comment
on dit honnêtement Gemeentap, mais là vous avez quelque chose qui rend superbement bien, le mécanisme à l'intérieur il est incroyable. Alors vous êtes sur du 42 mm, ça va être un peu le seul bémol, parce que si vous avez un petit poignet ça peut-être vous gêner en fin de journée, mais pour avoir quelque chose d'assez similaire, je vous assure qu'on est sur vraiment quelque chose d'assez correct, bon rapport qui était pris, que vous n'allez pas sentir, enfin que vous, ça va pas vous déranger en fin de journée, ça va pas vous déranger. Pardon, durant la journée, il y a peut-être en fin de journée, voilà, quand vous avez 10, 12 heures, 14 heures sur une grosse journée, votre montre, vous pouvez la sentir sur la fin de journée. Mais sinon, je vous assure qu'on est sur quelque chose de vraiment bien. On termine avec encore Charlie Paris, cette gamme à 295 €. Vous êtes sur du 38 mm, donc incroyable. Si vous avez du petit poignet, c'est parfait. Le 38 mm, vous l'avez en plusieurs coloris à chaque fois. Moi, j'ai décidé de vous montrer la bleue comme ça, parce que je la trouve incroyablement bien fini. Vous êtes sur quelque chose de simple, le cadran est simple. Si vous aimez la sobriété, vous allez vous régaler avec une pièce comme c'est fini pour aujourd'hui, les amis. Vendredi, on a la deuxième partie de cette vidéo qui va sortir. Donc, on part de 300, on va jusqu'à 500 € parce qu'il y avait trop de pièces, ça allait être trop long. J'ai pas envie de vous faire des vidéos qui vont être vraiment trop longues pour vous. Donc, abonne-toi, partage un max et fais-moi tes retours comme d'habitude en commentaire, soit de ce que je peux améliorer sur voilà, les vidéos que je fournis, ou bien si tu as des idées, si tu veux qu'on voit des choses ensemble en particulier, n'hésite pas à faire des retours, c'est comme ça que la chaîne va grossir, et le but voilà, c'est de travailler tous ensemble. Moi je vous dis à la prochaine.